Moi, j'ai dit que tout l'exécutif est avec moi, y compris les services de sécurité. Le directeur de la santé, donc votre effectif, il a été examiné. Ils ne sont pas malades, ils sont en bon état de santé. On a un professeur qui est ici. Après, non, vous n'avez pas un professeur, vous avez, oui. Vous avez une clinique privée avec laquelle vous êtes en contact. Vous avez des PCR. Oui. Les PCR maintenant sont négatifs. Ils ont été négatifs, ils ont été négatifs. Ils sont pas problématiques de la maladie. Donc, je ne pense qu'il y a vraiment des malades qui ont fait des signes d'affaires de ce travail. On arrête, s'il vous plaît, on arrête tout ce qui est cinéma. D'accord? On arrête tout ce qui est cinéma. On passe aux choses sérieuses. Si vous voulez travailler, vous reprenez votre chantier, sinon on va résilier. Ok? C'est normal, c'est bon, c'est bon. C'est un dossier, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est le directeur de la santé qui est ici avec moi. Il est en train de vous dire que vous n'avez aucun ouvrier qui est malade. Non. D'accord. Il a un rapport de PCR, il y a des positifs. Il y a IGM. Celui-là, vous ne voulez pas reprendre le chantier. Vous ne voulez pas reprendre le chantier. Vous ne voulez pas reprendre le chantier. Il est spécialiste. Vous ne voulez pas reprendre le chantier. Moi, je procède à la résiliation. Je procède à la résiliation aujourd'hui. Vous voulez bagages et rentrer chez vous. Allez, c'est bon. Ce sont vos problèmes, écoute-moi bien. Je vous résume. Ce sont vos problèmes. Moi, je voudrais un chantier qui fonctionne. D'accord ? Je n'ai rien à voir avec vos malades. Je n'ai rien à voir avec vos malades. Écoute-moi bien. Le dernier délai, c'est le 31 janvier. C'est le 31 décembre. D'accord ? Pour achever tous les travaux restants en matière de toutes les infrastructures sportives que vous avez au niveau du site. D'accord ? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire après le 31. Donc il y a les travaux de simulation qu'on va faire, il y a les essais qu'on va faire, etc. Et ce plan de redressement progressif, moi je ne l'accepte pas. Le plan de redressement progressif, de renforcement de chantier progressif, moi je ne l'accepte pas. D'accord ? Ramenez le travailleur, je voudrais 250 et 300 ouvriers au cours de cette semaine, à partir de dimanche.